C'est ça. On peut tromper 1000 fois une personne. Non. On peut... je me souviens plus du début de ma phrase. Catherine, 68 ans. Catherine, qui s'y me prend? Donc j'ai fait mes études à Bordeaux, donc tout mon externat, et après le concours, je me suis spécialisé en rhumatologie. On s'est baladé un petit peu dans toute la région Aquitaine, j'ai fait notamment beaucoup de passages au CHU à Bordeaux, dans le service de rhumatologie, mais aussi en médecine interne. Et ça, c'est une des particularités de l'école bordelaise de rhumatologie, c'est d'être plutôt orienté vers la rhumatologie inflammatoire que la rhumatologie mécanique. À l'issue de mon internat, donc, on m'a proposé de rester au CHU en tant que chef de clinique. C'est un poste donc, qui mixe des responsabilités donc, médicales classiques avec des cours et des formations à la fac, des cours magistraux, mais aussi la rédaction de polycopiés de sémiologie et d'exercices comme ça. Donc maintenant, je me suis installé à l'hôpital privé Saint-Martin, à Pessac, en Gironde, depuis février 2021. En fait, j'ai un peu découvert la médecine avec la rhumatologie et j'ai pas trouvé l'équivalent dans les autres spécialités que j'ai pu découvrir pendant mon externat. Je trouve ça merveilleux de pouvoir poser un diagnostic aussi précis juste en discutant avec quelqu'un. Et c'est une spécialité qui est extrêmement riche en fait, parce qu'il y a une grosse part clinique, d'interrogatoire d'abord, et puis après d'examen clinique, il faut avoir un œil un peu aiguisé pour divers symptômes qui peuvent être pathognomoniques de telle ou telle pathologie. Et puis c'est pas uniquement cérébral, il y a aussi une grosse partie pratique avec la réalisation de gestes sous échographie et la réalisation d'infiltrations, de ponctions articulaires, de choses comme ça. Et puis ça allie aussi donc une partie clinique médicale et une partie radiologique, parce qu'on ne peut vraiment pas découpler les deux. Et le fait d'avoir à la fois un œil de rhumatologue pour interpréter des imageries, c'est précieux pour en tirer des conclusions. Donc c'est le côté vraiment global, transversal. J'apprécie aussi beaucoup le fait de pouvoir exercer ça, soit tout seul dans un cabinet, soit à l'hôpital, soit de façon universitaire potentiellement, donc ça me gardait tout un champ de possibles qui me plaisait beaucoup. Et puis le fait que ça peut aboutir sur des choses complètement bénignes, comme des choses potentiellement graves, donc c'est aussi satisfaisant de pouvoir rendre vraiment service aux gens, à la fois en leur évitant des problèmes graves, ou en les soulageant de façon efficace en faisant des gestes. Donc il n'y a pas vraiment de routine en fait, sur une journée de rhumatologue, on alterne des consultations où on va quasiment pas examiner les gens et des gestes techniques ou des moments vraiment où on est vraiment plongé dans une réflexion importante devant une imagerie ou devant une situation clinique compliquée. Le relationnel est hyper important, il faut apprendre à mettre les patients en confiance. Alors il y a certains patients qu'il faut au contraire parfois un peu recadrer et donc on apprend petit à petit à cibler son interrogatoire pour aller directement à l'essentiel, mais tout en essayant de mettre les gens à l'aise. Ouais. Et donc je suis souvent très proche de mes patients, je connais vraiment une bonne partie de leur vie, parce que leurs symptômes ont une importance, mais le contexte de vie aussi, que ce soit psychologique, des événements de vie, etc., a toute son importance dans cette spécialité. Clairement, j'adore ça en fait. Bon, mes parents sont profs, tous les deux, donc je pense que c'était quelque chose qui m'a été transmis dans mon éducation, en fait. Mais pendant mes études, j'ai toujours été celui à qui on venait poser des questions pour avoir des explications, donc c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Pendant mon internat, tout de suite, je me suis investi pour faire des conférences aux externes, des conférences de rhumatologie. Et donc ce désir d'expliquer les choses et de transmettre ce que j'ai pu apprendre et de transmettre mon expérience en fait, parce que la médecine c'est quand même beaucoup basé sur l'expérience, ça a toujours été super agréable pour moi, j'adore faire ça. Je pense que c'est une des raisons qui peut expliquer le fait qu'on m'ait proposé ce poste de chef de clinique
où j'ai passé vraiment des super moments avec les étudiants pendant les longues visites, ou à leur expliquer des choses et à faire des cours sinon magistraux à la fac. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Alors là, on le fait sous un format vidéo, donc c'est moins agréable que quand on a les personnes en face, mais j'y prends tout autant de plaisir, quoi. Bon. Le système de soins en France est conçu de telle manière que si les médecins généralistes ne font pas du bon boulot, tout s'effondre en fait. C'est vraiment le socle de notre système de soins. D'ailleurs, ils ne sont pas encore assez nombreux et on a tout un tas de problèmes, mais on dépend vraiment d'eux. Et moi j'ai toujours beaucoup beaucoup de respect pour les gens qui ont choisi de faire cette spécialité parce que je trouve ça super dur. En fait, c'est très facile d'être très bon dans un domaine restreint, mais c'est très difficile d'être bon dans tous les domaines. Et du coup, on ne peut pas demander à un médecin généraliste de tout connaître pendant toute sa vie, donc il est nécessaire de continuer à les former sur des choses qu'ils ont pu connaître, qui sont déjà là dans leur inconscient, mais qu'ils ont pu oublier dans leur pratique clinique quotidienne. Et donc, ce type de formation pour faire des rappels sur des décisions qui peuvent être parfois délicates, ça me semble complètement indispensable. Et puis, l'idée aussi, c'est d'essayer d'améliorer leur quotidien, en fait, en essayant de leur faire gagner du temps, parce que c'est vraiment la première chose quand on parle à un médecin, c'est en fait, je manque de temps, je suis sous l'eau, il y a trop de patients, quoi. Donc, remettre à jour ses connaissances, ça permet de gagner du temps en fait effectif en consultation, et donc ça, si je peux le faire, il faut le faire en fait. Merci, voilà. Hein. Salut. Salut quoi.